Cette année, les bénéfices des compagnies aériennes vont fortement diminuer, passant de 6,5 milliards d'euros à 2,4 milliards. C'est ce qu'annonce l'Association internationale des transports aériens, l'IATA, qui regroupe toutes les compagnies aériennes. Cette deuxième année de déclin, affirme l'association, est due à la crise des dettes souveraines en Europe et au prix élevé du pétrole. Cette somme de 2,4 milliards d'euros correspond à une moyenne de marge de 0,5%.